c'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour sa nouvelle émission. Alors, après un menu bien copieux et bien riche, aujourd'hui, nous vous proposons quelques recettes légères et bien vitaminées. Pendant l'émission, nous vous préparons ensemble un bon assaut avec des légumes et ensuite quelques salades bien fruits. Alors, sans plus tarder, nous vous commençons par la soupe. Et ça, la soupe là, elle est bien légère. Et nous vous commencez par préparer un bouillon. Nous vous servons un produit naturel, que des légumes. À commencer par l'ail, vous coupez deux gousses d'ail en gros morceaux. Ensuite, nous prenons feuille combava. Et ça, c'est un ingrédient qui est très intéressant. Il parfume bien le plat et même la soupe. Vous coupez en morceaux. Une tige citronnelle. Nous vous coupons en morceaux. Nous vous préparons ensemble une soupe d'ail. Et je vais constater que nous vous servons feuilles de combava, une citronnelle. Et tout ça va d'ingrédients là pour agrémenter nous la soupe. Il peut ajouter beaucoup de saveur. Un peu de noix. Et le tout, nous vous coupons en gros morceaux. Et ça, c'est nos bases. Nous bouillons. Une feuille de poireau, et bien dans les feuilles, il y a beaucoup de parfum. Alors d'abord, nous préparons tous nos bons ingrédients pour le bouillon. Il y a un oignon, voilà mon caramélisé. Le but, c'est qu'il faut ajouter une coloration dans nos bouillons. Alors, on peut servir carottes comme garniture dans la soupe, mon épluché. Et bien souvent, comme carottes ou pommes de terre, tout bon légumes racines, tout bon vitamine est concentré sous la peau. Et là, nous pas pour jeter la peau carotte, nous vous servir pour agrémenter nos bouillons. Et maintenant, nous allons préparer nos bouillons. Nous allons ajouter tout bon légumes, nous avons un oignon qui est caramélisé, nous avons un oignon frais, nous avons l'ail, nous avons feuilles de poireau, nous avons feuilles de combava. Aussi citronnelle et pelure de carotte. On va ajouter de l'eau froide. Donc vous laissez bouillir. Et le but c'est qu'au fur et à mesure, tout bon saveur pour développer. On va ajouter quelques épices, clou de girofle et du poivre en grain. Et un petit peu de sel. Alors là, on vous laisse le tout cuit à ébullition pendant 15 à 20 minutes à feu doux. En attendant le bouillon, nous allons préparer la garniture. On a ici poireaux coupés en longueur. Après poireaux, nous allons découper carottes. Et là, nous prenons en considération les couleurs. Le dernier légume, c'est l'aloe. Nous pouvons ajouter en entier. Nous coupons tout simplement l'extrémité. Et voilà un légume que vous êtes capable d'inclure dans votre soupe. Voilà, nous bouillons une prêt, mon pasté au chinois, c'est un pasté et là il est très chaud. Donc on va ajouter un ingrédient thaï, c'est la pâte thaïlandaise, une crevette, piment et d'autres ingrédients. On va ajouter tous nos bons légumes. Bien mélange le tout et vous continuez la cuisson pendant 5 à 7 minutes. Alors après la soupe, vous préparez un assortiment de salades bien frais. Premièrement, une salade concombre et ananas. Et ananas et concombre, c'est un beau mariage. Vous coupez le concombre en cubes.
Et autres ingrédients qui sont capables d'ajouter avec, c'est bien pommes vertes. Et voilà, donc on place le concombre dans le bol. Et ça, c'est une salade vraiment très simple et facile à réaliser. Pas prendre beaucoup le temps, mais une ananas. Alors, on coupe le tout en cubes. Ensuite, il y a l'amande. L'amande peut ajouter beaucoup de fraîcheur à nos salades. Dans cette salade-là, l'amande est vraiment appropriée, idéale. L'amande ou cotomilli. Et voilà, il y a trois ingrédients. Il y a l'amande, il y a le concombre et l'ananas. Maintenant, on passe à l'assaisonnement. Le sel, bien sûr, c'est selon goût. Un peu de sucre. Pour faire ressortir le tout, il y a un flocon de piment, c'est selon goût, et un peu de vinaigre blanc. Et nous mélangeons le tout. Alors, nous pouvons passer au dressage, puisque là, nous allons faire un assortiment de salade. Il y a trois différentes salades. Ici, nous mettons l'emphase aux couleurs, les formes. Alors, nous avons du blanc, du jaune maintenant, la tomate, nous avons du rouge. Nous coupons la tomate en rondelles. Et je vais constater qu'il peut servir un couteau à dents pour couper des fines tranches de tomate. Et aussi la tomate. Il y a beaucoup de l'eau. Et une astuce, quand je coupe la tomate, c'est conseillé que je place les sur un papier absorbant. De cette façon, on élimine l'excès d'eau. Et une tranche de tomate bien sec. On ajoute la vinaigrette ou l'assaisonnement. Alors, une fois que nos tomates sont bien égouttées, nous pouvons placer les sur notre assiette de service. Alors c'est fait, on va ajouter un peu d'oignon pour le croquant. Maintenant gingembre confit, vous coupez en petits morceaux. Et en dernier, pour le contraste, c'est un peu de vert avec ciboulette. Et tout de suite, on passe au condiment, toujours un peu piquant avec le condiment ou du poivre, du sel. Et on rajoute un peu de vinaigre de riz. Voilà, c'est fait. Et maintenant, nous pouvons terminer l'assiette. Nous avons déjà deux salades. Cette fois-ci, nous pouvons proposer une salade mixte, cuite et crue. Nous avons ici aubergine ou brinjelle. Et nous découpons en petits cubes et nous frions dans très peu d'huile. Vous êtes capable de bien griller cette aubergine. Alors, nous avons le premier ingrédient qui est prêt. Nous pouvons ajouter d'autres légumes crus et la tomate. Nous coupons en cubes. Donc, on enlève les pépins et surtout l'excès de jus. Alors, c'est fait pour la tomate. Maintenant, nous coupons l'oignon.
Et maintenant, nous allons faire un mélange. Donc, nous mettons un peu de matière grasse dans l'aubergine. On va ajouter l'oignon. Tomate. Ensuite, une ciboulette. Et un petit peu de tilami, très peu, juste pour le parfum. Le sel. Et on mélange tout. Et voilà, c'est fait.